Avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, faisons un petit rappel de ce que nous avons déjà vu ensemble en lecture. Bien sûr, nous travaillons sur une pièce de théâtre dont le titre est « Des parents dans l'embarras ». On a déjà commencé par la scène d'exposition où nous avons rencontré un père et une mère dans leur salon, discutant à propos de leur fils Martin qui est allé se coucher et espérant passer une soirée tranquille ensemble. Après, nous avons vu le nœud de l'intrigue. Dans le nœud, Martin a rejoint ses parents au salon et il a fait une demande imprévue. Il a réclamé une vraie Ferrari rouge à ses parents. Passons maintenant à notre texte support d'aujourd'hui. Scène 3. Désemparés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour les aider à gérer leur conflit avec Martin. Père. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, notre fils nous demande une Ferrari. Mère empressée. Avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir. Le psychiatre. Un modèle réduit? Il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de le lui payer. Je vais vous faire envoyer un chèque que vous rembourserez à la fin du traitement. À quel nom? Père. Non, docteur. Il veut une vraie Ferrari rouge. Avec un moteur à injection et siège éjectable. Mère, tu y vas un peu fort. Père, mettant la main sur le micro du téléphone. Il faut toujours un peu exagérer pour être pris au sérieux. Le psychiatre à sa demoiselle de réception à propos du patient à camisole. Non, pas celle-là, la rose, pas celle-lui la rose. Père, rouge docteur. Mais est-ce que la couleur a vraiment une grande importance? Le psychiatre, non. Un temps. Est-ce que ce sera tout? Père. Que faut-il faire, docteur? Nous sommes démunis. Le psychiatre. Commencez par compter vos économies. Père. Non, il n'en est pas question. Nous ne nous céderons pas sur ce point en tout cas. Le psychiatre. Il ne s'agit pas de la Ferrari. Il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. Si vous payez comptant, je peux vous recevoir ce soir encore. Sinon, adressez-vous à un collègue. J'ai de très bonnes adresses. Père. Entendu. À tout à l'heure. Mère. Alors. Père comptant ses sous dans son porte-monnaie. « Va réveiller ton gros nounours, on se rend chez le psychiatre. » Alors, ta première tâche serait de remplir ce tableau à partir du texte que je viens de te lire. Comme tu sais, nous travaillons sur une pièce de théâtre qui porte le titre de « Des parents dans l'embarras ». Maintenant, je veux que tu cherches de quelle scène il s'agit dans notre texte d'aujourd'hui? Qui sont les personnages de cette scène? Dans quel lieu se passe la scène? Quel est le moyen de communication entre les personnages de cette scène? Et quel est le sujet de la communication qui a eu lieu entre les personnages? Je vais te laisser un moment pour réfléchir et pour répondre, bien sûr, avant de te proposer les réponses. Voici les réponses. Pour la scène, il s'agit de la scène numéro 3. Pour les personnages, nous avons le père, la mère, le psychiatre et la demoiselle de réception. Le lieu de la scène, c'est entre la maison des parents et le cabinet du docteur. Comme moyen de communication, il y a le téléphone.
Et pour le sujet de communication des personnages, il parle à propos de la demande de Martin qui veut qu'on lui achète une Ferrari rouge, une vraie. Maintenant, tu vas relever une didascalie montrant l'embarras des parents de Martin suite à la demande de la Ferrari. La didascalie C. Désemparés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour les aider à gérer leur conflit avec Martin. Tu essayes d'informer sur les caractères de ces personnages à partir de ce qu'ils ont dit ou ont fait, que ce soit dans cette scène numéro 3 ou dans les scènes, celles qui ont précédé, que nous avons déjà vues ensemble. Alors, les personnages en question, c'est Martin, ses parents et le psychiatre. Pour Martin, on voit que c'est un enfant gâté, insatisfait. C'est quelqu'un qui n'est jamais content malgré tout ce qu'il possède. Pour ses parents, ce sont des parents qui ont une faible personnalité devant leur fils. Ils essaient avec tous les moyens de satisfaire leur fils malgré ses demandes exagérées. Et pour le psychiatre, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Est-ce que tu peux me dire quels sont les événements qui ont suivi la demande imprévue de Martin? Nous avons vu que Martin a demandé une Ferrari à son père. Je veux que tu me dises que s'est-il passé ensuite dans la scène 3. Alors les événements sont le père qui téléphone à un psychiatre, il lui demande comment gérer le nouveau conflit avec Martin, le psychiatre qui donne rendez-vous aux parents, et le père qui demande à sa femme de préparer leur fils pour aller chez le psychiatre. Ces événements, est-ce qu'ils ont permis à l'histoire d'avancer ou non? Bien sûr, ces événements, ils ont fait évoluer l'intrigue. Est-ce que tu as envie de savoir ce qui se passera chez le psychiatre? Oui? En tout cas, moi, je voudrais bien savoir ce qui va se passer là-bas. Alors, ces événements, ils participent à maintenir le suspense dans l'histoire ou non? Effectivement, ils participent à maintenir le suspense. Ces événements, on les appelle les péripéties. Les péripéties dans la pièce théâtrale sont des événements qui se produisent après le nœud, qui modifient et font évoluer l'intrigue. Leur but est de maintenir l'intérêt et le suspense dans l'histoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le cours et je vous dis à bientôt.